Dit is het schilderachtige Zuid-Franse dorp Rozan, gelegen in het hart van de Bordeaux-wijngaarden. Behalve twee bakkers, een postkantoor, dorpscafé en tabakswinkel, is er ook nog een ouderwetse drukkerij, hier midden in de hoofdstraat. Imprimerie Création heet het, een drukkerij, daar werken vader en dochter Maubarret. In de drukkerij staan bijna oude in het museum thuishorende drukmachines uit vervlogen jaren. Hun specialiteit? Het drukken van etiketten voor wijnflessen en het maken van grote affiches. Wat is nu hun succes in deze gedigitaliseerde tijd? D'abord la situation géographique du petit village, c'est le vignoble. Qui dit vignoble dit packaging, beaucoup d'étiquettes et beaucoup d'emballages. Petit village, petit frais. Donc c'est beaucoup mieux que qu'une grande ville ou la zone industrielle ou la zone artisanale. En même temps, le contexte étant difficile, les gens commandent beaucoup moins d'étiquettes parce que la production est la même mais la vente n'est pas pareille, ne se fait pas pareil. Donc ils font faire des étiquettes en grosse série qu'ensuite des petites imprimeries remettre au goût du jour, c'est-à-dire le millésime, soit l'année, le degré, la centilisation, la législation du pays, la Belgique, il faut mettre un code TVA particulier, la Russie et certains pays d'Asie, il faut mettre le jour d'embouteillage, et le Canada exige que tout soit marqué en toutes lettres, c'est-à-dire que 12 degrés doivent être écrits en entier. Donc tout ça, c'est lourd pour une grosse imprimerie, qui souvent n'a plus le matériel, et c'est du travail qui se fait localement. Wij vragen om een tekst te willen drukken bestaande uit 5 regels. Eerst zoekt de drukker een passende letter voor onze tekst. Daarvoor haalt hij een letterbak uit de letterlade en gaat vervolgens aan de slag. Alle letters die hij nodig heeft voor de tekst, wordt letter voor letter zorgvuldig in de zethaak geplaatst en dan in spiegelschrift. In de grafische wereld wordt gewerkt met Cicero en punten. Dat is een 12-delig stelsel. Nu is het tijd voor het opkooien. De tekst wordt dan stevig vastgezet in het raamwerk en er mag natuurlijk geen letter uitvallen. Il n'y a plus de marque française. La dernière marque française, c'était Presto. Et ça fait 60 ans que ça n'existe plus. Ça engage que moi, mais à mon point de vue, Heidelberg est la meilleure marque qui existe. Votre vie travaille aussi ici dans la imprimerie. Est-ce qu'il y a une différence entre les travaux de votre vie et vous? Ah oui, moi je ne reconnais plus les travaux modernes qu'elle fait, c'est tout de l'informatique, du numérique. Et votre métier s'existe par exemple dans 10 ans? Oh, dans 10 ans il existera encore, mais sous diverses manières. Moi quand je suis rentré en apprentissage, on ne pouvait pas faire de clichés, c'était vraiment une part, les photos c'était fait par quelqu'un du métier. Maintenant, bon, le matériel a permis, avec un minimum de formation, de faire à peu près tout. Maintenant, après, il y a des différences.
De zwarte inkt wordt op grote cilinders van de drukpers aangebracht. Daarna kan de pers langzaam gaan draaien en de inkt moet inlopen, zoals het heet. De drukinkt wordt gelijkmatig verdeeld en de inktrollen geven hun inkt aan de letters in het raamwerk af. Het is echt handig. Maintenant, je pense que vous êtes en retraite, mais vous travaillez toujours. Ben, c'est le problème quand c'est les enfants qui prennent la suite. Et puis bon, mon arrière-grand-père était imprimeur. Mon grand-père, malheureusement, n'a pas pu à cause de la guerre de 14, qu'il a arrêté net. Mais mon père était imprimeur, mon oncle était imprimeur. Je suis né dans une imprimerie. Je mourrais peut-être dans une imprimerie, ça c'est... Vous n'avez pas l'intérêt pour arrêter tous? Alors je vais vous dire, 6 mois par an, je préfère être à la chasse, et les 6 autres mois, je préfère être à la pêche. Mais j'aime bien me retremper avec l'odeur de l'encre de temps à autre. Je vous remercie pour l'interview. C'est moi qui vous remercie pour l'attention que vous prestez à notre profession. Het zetten en drukken van deze 5 regels tekst duurde zo'n ongeveer 25 minuten. Op de computer van tegenwoordig typ je de tekst en print je hem in 25 seconden uit. Zo zie je dat het beroep van grafisch drukker nagenoeg helemaal is verdwenen door de komst van de personal computer.